tous les partis qui ont été aux élections ont centralisé leurs résultats. Vous avez observé que, dans le même temps, les partis du pouvoir qui soutiennent le pouvoir se sont comportés de façon républicaine en laissant aux instances habilitées la latitude de donner les résultats. Maintenant, vous dites qu'un parti a saisi la Cour et demande de mettre les résultats à sa disposition. C'est bien ça? C'est bien ça? La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats et a été jusqu'à donner les voix, circonscription par circonscription. Si je suis un parti et que je revendique la victoire, je dirai à la Cour, voici mes chiffres. Moi, j'ai mes chiffres qui montrent que j'ai gagné. Comparé avec les votes, vous ne dites pas de donner des chiffres. En tout cas, si je suis un parti, c'est ce que je ferai. Si je suis un parti sérieux et je pense que j'ai gagné, j'ai les chiffres, je dis, messieurs de la Cour, moi j'ai gagné les élections. Voici mes chiffres. Dans telle commune, j'ai tel chiffre. Dans tel autre, j'ai tel chiffre. Et à l'arrivée, dans tel arrondissement même. Mais si vous ne faites pas ça, vous comprenez vous-même qu'il peut s'agir en l'espèce d'un recours, je dirais, vexatoire, juste pour entretenir l'illusion auprès de ces militants de ce que la victoire leur a été acquise dans les urnes et qu'elle leur aurait été arrachée. Et ça n'est pas de nature à entretenir la confiance démocratique que nos populations doivent avoir, ni en nos institutions, ni même en l'institution du vote.